impossible. Radka. Tu as dit que cet argent me revenait de droit. Ivanka, je vais porter plainte. Non, je ne suis pas d'accord. Ivanka! Vous ne pourriez pas parler moins fort. Tu vas rendre tout le monde malade. Espèce de vieille tchèque hystérique. Ma mère veut rien entendre aujourd'hui. Bravo, tu as fait fuir ta fille. Oh, Radka, il faut que tu te calmes, ça va mal se terminer. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai une fille, c'est nouveau ça. J'étais pas au courant. Voyons, fais un effort, Radka. C'est à elle que tu viens de parler à l'instant. Et vous, qui êtes-vous? Je te remets la télé. Ça tombe bien, c'est une rediffusion. C'est un excellent entraînement pour faire fonctionner ta mémoire. Que faites-vous là, Madame von Wangenheim? D'où Jésus, Monsieur Goetz, pourquoi vous vous faites aussi discret? J'ai bien failli mourir de peur. Vous êtes en violation du règlement d'hygiène de notre maison. Si vous avez un petit creux, ou si vous avez besoin de quelque chose, appelez l'aide-soignant. Très drôle, votre règlement d'hygiène. Les pensionnaires de la maison ont tous un pied dans la tombe. Ce type a de vrais soucis. Oh. Jonas! Jonas! Jeune homme, venez m'aider à monter. Hé, hey, Milady, tu es déjà arrivée jusque-là toute seule? Non, bougez, ça fait du bien. Tu es ici pour faire le mariole? Ou tu as l'intention de te rendre utile? Allez, hop là! Allons-y. Les gens vont nous prendre pour des amoureux. Oui, c'est ce que nous sommes, mon petit. Tu n'es pas d'accord? Après vous. Oh, merci, cher monsieur. Un dernier étage et on sera arrivé. Oui. C'est bien. Je vais devoir attendre encore longtemps. Et je pourrai avoir un café, au moins. Papa, j'essaie par tous les moyens de te joindre depuis hier soir. Si tu as ce message, donne-moi tes nouvelles, s'il te plaît. Ça a pas l'air d'aller, Richard. C'est rien, laisse tomber. Toi aussi, t'as reçu l'appel au secours de Lenny? Évidemment. Elle a pas le droit de s'asseoir là. Pourquoi elle est là? Lenny! Elle a pris ton fauteuil, Richard. Elle veut déclarer un meurtre, mais elle a pas le droit de s'asseoir là. Détends-toi. Et elle veut un café en plus. Apporte-lui en un. D'accord, j'ai compris. Détends-toi. Elle a pas le droit de faire ça.
Bonjour, madame. À la télé, les bureaux des commissaires sont plus chics. Eh oui. Bienvenue dans la réalité, madame. Isa von Wagenheim, de l'ancienne noblesse terrienne. Mais n'ayez crainte, le besoin n'est plus une obligation. Enchanté. Richard Voss, de l'ancienne noblesse policière. Vous êtes ici pour déclarer un meurtre? Oui, j'ai tout expliqué à votre collègue il y a quelques instants, mais... Pouf. Auriez-vous l'extrême obligeance de bien vouloir recommencer pour moi? Hier soir, elle était encore pleine de vie, et puis ce matin, elle ne respirait plus. Hein? Et comment s'appelait-elle? Radka Richter, c'était ma voisine de chambre. Une ancienne professeure d'histoire à la retraite. Une femme parfois très casse-pied, mais ça, c'est une autre histoire. Vous vivez toutes les deux dans une maison de retraite? Moi, oui, j'y vis. Radka, elle est morte. Vous m'avez écouté, monsieur le commissaire? Tenez, je vous en prie. Il n'y a pas de lait. Bon. Elle est charmante. Charmante sans doute, mais pas sourde. Excusez-moi. J'imagine que vous avez de bonnes raisons de penser que votre voisine n'est pas morte de maladie ou de vieillesse. Elle aurait pu, mais pas hier soir. Je lui ai parlé dans la soirée et ensuite... Alors que je dormais, j'ai été réveillée par une sensation effroyable dans les membres. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ouvert les yeux et tout était calme. Tout était beaucoup plus calme que d'ordinaire. Mais si vous ne vous dépêchez pas, ils vont l'enterrer. Beaucoup plus calme que d'ordinaire. Bon. Je vais commencer par aller voir votre voisine. Vous me donnez l'adresse? Papa, j'aimerais vraiment beaucoup te parler, mais si tu ne réponds jamais, je ne peux pas. Alors rappelle-moi, s'il te plaît. Albrecht, qu'est-ce que tu fais, perché là-dessus? On a un escabeau quelque part? Oui. Monsieur Grimm, redescendez maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Donnez-moi la main. Non. Si. Eh bien. Formidable. Doucement. Je peux vous aider? Je suis à la recherche de la chambre d'une certaine Madame Richter. Radka Richter, elle est décédée ici pendant la nuit, apparemment. Vous êtes de sa famille? Ah, toutes mes excuses. Richard Voss, police criminelle. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes de la police criminelle? On peut vous demander pourquoi vous vous intéressez à Madame Richter? Vous pouvez toujours demander, Madame... Petra Gross. Mademoiselle Gisela, vous n'avez plus votre jolie robe? Je ne suis pas Gisela. Moi, c'est Zania. Zania Hellman. Oui. Si vous voulez bien m'indiquer sa chambre, je vous en saurai gré. Oui. Suivez-moi. Donc, pour l'identité, c'est bon. Il va juste nous manquer votre date de naissance. C'est un drôle d'oiseau, votre collègue, non? Oui. Avec un gros cerveau. Votre date de naissance? Bonjour. Regarde, t'as décidé de venir? Voilà un autre volatile. Ouais, j'ai mis un temps fou pour arriver. Les transports sont en grève. Un café pour m'excuser? Mais je bois pas de café. C'est vrai. Moi, si. Isa von Wagenheim. Mon collègue Tom Kupfer. Il est noir. Elle est venue déclarer la mort de sa voisine de chambre. Je ne suis pas sûr de comprendre. Sur l'acte de décès, il y a écrit « cause du décès, mort naturelle ». Le médecin a fait un examen approfondi? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis que le directeur, je gère l'administratif. Madame Richter souffrait de multimorbidité, son décès n'a rien d'étonnant. Pas très approfondi, donc. Écoutez, les plus longues années de la vie de nos résidents sont derrière eux. Tout ça est on ne peut plus normal. Les gens qui vivent ici sont... Ils sont vieux, oui. Ce n'est pas anormal qu'ils meurent. Cette dame s'est endormie paisiblement et nous avons immédiatement contacté sa fille. Maintenant, je vais confier Madame Richter à l'entreprise de pompes funèbres. Pas si vite, attendez. Tous autant que nous sommes, notre heure vient un jour ou l'autre. Parfois, elle est en avance.
Une cause naturelle, vous avez dit? Elle s'est endormie paisiblement. Il n'y a rien de naturel ici. Transportez ce corps à l'institut médico-légal. La chambre doit rester verrouillée jusqu'à nouvel ordre. Je vous envoie quelques collègues par précaution. Attendez une minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Que voulez-vous? Écoutez, je ne comprends rien. C'est pas grave. L'important, c'est que moi, je comprenne. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais quand la police s'en mêle, ça tourne toujours au vinaigre. Je résume. Vous êtes passé voir Madame Richter pour la dernière fois vers 22h30. C'est bien ça? Oui. Oui. Et une heure plus tard, elle a de nouveau monté le son de sa télé. Mm-hmm. Et entre 4 et 5 heures du matin, quand vous avez ouvert les yeux, vous avez eu la certitude qu'il s'était passé quelque chose. Un meurtre. Dans notre belle résidence senior. Tiens, du lait. Pour la dame. Du concentré, mais c'est mieux que rien. Mais... Non, non, celui-là est froid. Entre Madame Richter et sa fille... Richterova, c'est son nom, en fait. Ici, on l'appelle Richter, mais en Tchéquie, ils utilisent aussi la terminaison. Donc, Madame Richterova habite à Prague. Radka était très heureuse que sa fille vienne la voir plus souvent. Elles s'entendaient bien, toutes les deux? Oui, enfin, ce n'est pas facile quand le cerveau se met à avoir des ratés. Salut. Salut. Ta dame et toi, vous avez raison. On l'a aidée à mourir. Pas besoin de faire une autopsie pour le voir. Elle a une micro-hémorragie sous-conjonctivale, c'est ça? Et des fibres dans les muqueuses buccales. On l'a étouffée, alors? Entre 4 et 5 heures du matin. A priori, avec un coussin en synthétique bleu. Comme ceux qu'il y a dans sa chambre. Et les hématomes qu'elle a au bras? Ils devaient déjà être là. Parce que quelqu'un l'aurait tenue brutalement? Oui, pendant la toilette ou le changement des draps, si elle n'était pas docile. Merci. À plus tard. T'as réussi à joindre ton père? Non, toujours pas. Mais j'ai pas encore perdu espoir. Oui, elle était comme ça, Radka. Hier, elle se plaignait d'avoir été trahie. Trahie? Mais par qui? Qu'est-ce que j'en sais? Elle voulait porter plainte, mais Ivanka n'était pas d'accord. Elles se sont disputées? Ah, alors vous commencez à croire qu'il s'est passé quelque chose? Oui, je vous le confirme. Ah, je vous vois venir. Je suis sûre que vous pensez que c'était sa fille. Doucement, doucement, évitons de tirer des conclusions hâtives. Auriez-vous par hasard l'adresse de Madame Richterova? Oui, je l'ai. Je vous accompagne. Mais, chère madame, nous avons besoin d'une personne sur place qui garde l'œil ouvert. Oui, ça... Ça, je peux le faire, bien sûr. Monsieur Kupfer va vous raccompagner. Bien. Et vous? C'est l'heure de la pause? Vous plaisantez? Je vais aller rendre visite à Madame Richterova. Oui. C'est un endroit magnifique. Oui, et nous avons bien sûr du personnel, nos infirmières. Là-bas, c'est Zania. Enchantée. Le commissaire Kupfer. Police criminelle. Bonjour. J'ai les mains prises. Ah, bien sûr. Encore la police? Que vous a raconté Miss Marple à mon sujet? Ah, que vous étiez un peu la chef. C'est totalement exagéré, sérieusement. La responsable, c'est Petra. C'est vous qui vous occupez des plannings? Oui. Vous en voulez une copie? Oui, absolument. Et la liste des employés aussi, s'il vous plaît. Bien. Et pourquoi? Nous pensons que la mort de Madame Richter est un meurtre. Nous devons tout vérifier. Qui était de service cette nuit? Jonas Mayer. Mm-hmm. Et vous deux? On travaillait pas. Il ne peut rien se passer quand Jonas est là. C'est un garçon très gentil. C'est l'exception ici. Quoi? Tout le monde se défonce ici. Ah. Madame Brune, vous voulez les prendre? Mais moi aussi, j'aime bien Jonas. Il est aide-soignant. Il n'a pas reçu de formation comme nous. Je vois. Du coup, c'est moi qui le forme. Vous travaillez souvent ensemble? Quand il a une question, c'est à moi qui la pose, toujours. Qu'on soit de service ou non. C'est sympa de travailler avec lui. Malgré tout le reste. Elle est amoureuse de lui, mais il n'est pas intéressé. Parce que c'est moi qui l'aime. N'importe quoi, arrêtez de dire des bêtises. Alors, l'accès se fait par là. Mm-hmm. Nos chambres se trouvent toutes dans les étages. Oui?
Madame Richerova. Je m'appelle Richard Voss. Oui, je sais, vous êtes de la police criminelle. La résidence m'a prévenu. Ah oui. Je vous présente mes condoléances. Merci. Ils disent que ma mère ne serait pas décédée de cause naturelle. C'est ça. C'est pour ça que je suis venu. Qui pourrait vouloir assassiner une femme de cet âge-là? Peut-être pouvez-vous nous aider à répondre à cette question. Vous êtes allé voir votre mère à la résidence senior hier soir. Elle vous a parlé de trahison, je crois, et d'une plainte. Excusez-moi, j'ai besoin de prendre l'air. Ça vous ennuierait qu'on aille discuter dehors? Non, bien sûr. Moi, je m'occupe du divertissement. Je leur change les idées. La résidence senior, c'est un monde à part. Il faut bien leur offrir des moments de joie. Madame Richter n'a pas eu beaucoup de joie la nuit dernière. Effectivement, non. Désolé. Vous étiez tout seul à vous occuper de tout le monde? J'étais de garde de 22h à 6h. Ça a l'air pire que ce que c'est. J'ai été sollicité par Isa vers 23h30. Elle m'a demandé de baisser le son de la télé de Radka. Vous êtes allé dans la chambre de Madame Richter? Oui. Elle m'a crié dessus, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Et ensuite? Ensuite, tout est redevenu tranquille et je me suis endormi. À 6h, j'ai passé le relais. Petra Gross et Zania Hellman ont assuré la rotation du matin. Vous savez si Madame Richter était en conflit avec quelqu'un? Oui. Avec sa fille. Je les ai entendus se disputer pour une question d'héritage. Le nœud du problème, c'est toujours lui. Annabelle, tu peux venir? Vous voulez bien patienter? Ma mère et moi, on s'est pas beaucoup côtoyés. Elle vivait ici et gagnait bien sa vie. Moi, je préfère habiter à Prague. Munich et Prague sont à une distance raisonnable. Oui, mais les parents, les enfants, chacun vit sa vie et on se rend pas compte à quel point le temps passe vite. Oui, c'est bien vrai, ça. Mais en l'occurrence, vous êtes ici depuis plusieurs semaines. Oui. Ma mère m'a appelée. Elle perdait un peu la tête. Elle m'a dit, si tu veux avoir une chance d'avoir une conversation cohérente, c'est maintenant. Vous êtes venu en pensant à l'héritage? Non. De l'argent, il n'en reste pas énormément. La résidence coûte très cher et ma mère y a passé plusieurs années avant de mourir. Pourquoi votre mère s'est-elle énervée à ce point hier soir? Et pourquoi étiez-vous contre l'idée de porter plainte? Elle était en plein délire. Ce qu'elle disait n'avait ni queue ni tête, et elle voulait qu'on aille porter plainte pour trahison. À un moment, elle ne m'a pas reconnue. Vous avez d'autres questions? Non, je vous remercie. Anna, il faut qu'on passe en revue la situation financière de Radka Richter. Apparemment, elle n'avait pas grand-chose à léguer. On a du nouveau de notre côté. Lenny a trouvé un truc. Oui, au 31 Lützowstrasse, à Berlin, se trouve un centre de soins pour les patients de catégorie 1 à 3, ce qui correspond au niveau de soins... Lenny. Annabelle. Oh. Quoi qu'il en soit, elle a travaillé là-bas de 2006 à 2008. Qui donc? Petra Gross, née le 27/01/1973. Elle a fait l'objet d'une enquête... Pour le meurtre d'un des pensionnaires. Quoi? Oui. C'est peut-être un ange de la mort. Il faudrait essayer de savoir s'il y a eu d'autres cas aux terrasses du lac. Tom est encore là-bas, j'allais le rejoindre. Question. Quel est le rapport entre Petra Gross et un ange? L'ange de la mort. Ah, Lenny, c'est seulement une manière poétique de parler de gens qui tuent des personnes sans défense, soi-disant pour les délivrer. C'est fascinant comme expression. Je vais essayer de savoir pourquoi elle n'a pas été inculpée et me renseigner sur le taux de mortalité des terrasses du lac depuis le 01/04/2012. Pourquoi cette date? C'est quand elle a commencé à travailler à la résidence. Ah ouais. J'avais rien fait. J'ai été innocentée à la fin de l'enquête. Parce que la police n'avait pas trouvé de preuves. Le monsieur avait pris lui-même les comprimés. Il voulait en finir. Je suis pas un assassin. Personne d'autre que vous n'a dit ça. Bien sûr, mais c'est exactement à ça que vous pensez. On accuse toujours les soignants. Vous imaginez ce que ça nous fait? Traiter comme de la merde, payer comme de la merde? Tout ça parce qu'un sale con refuse de voir que son père en a marre de vivre. Où vous trouviez-vous cette nuit entre 4h et 5h du matin? Chez moi.
Vous avez des témoins? Allez vous faire voir. Allons, allons. Vous pouvez prouver que j'ai fait quelque chose à Madame Richter? Dans ce cas, passez-moi les menottes. Attendez, je ne savais pas que Madame Gross avait eu des démêlés avec la justice. Parce qu'il n'y a pas eu de démêlés, donc ça pouvait être consigné nulle part. J'ai besoin de vous. Sinon, je fais comment pour tenir la maison? Tant que vous, vous n'avez rien de tangible contre cette infirmière qui est d'une grande compétence, vous, vous restez ici. Quant à vous, vous allez garder pour vous vos accusations pas très subtiles. Monsieur Goetz? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourriez-vous me dire si le taux de mortalité a augmenté chez vous ces dernières années? Non, pas que je sache. Mais les gens ne meurent pas à intervalles réguliers. Que voulez-vous dire? Qu'il y a des événements déclencheurs, comme par exemple la canicule de l'été dernier. Mmh. Bon, maintenant écoutez. Vous avez diffamé Madame Gross et vous l'avez jugée à l'emporte-pièce. Je vais me plaindre à votre hiérarchie. D'accord, je vous en prie. Dites-moi, est-ce que c'est possible qu'une personne étrangère au service se soit introduite ici? Monsieur Goetz? Oui, enfin, il faudrait connaître les lieux. Vous voyez? La caméra est dirigée vers le haut. Et les câbles ont été sectionnés. On les répare régulièrement. Qui pourrait bien faire une chose pareille? Eh bien, les pensionnaires encore valides. Ils n'ont pas envie de rester enfermés après 22 heures. Ça leur permet d'aller et venir sans qu'on les voie. Oui. Oui, je... Monsieur Goetz, j'ai très bien compris. À plus tard. 5 ans. La résidence des terrasses du lac n'a pas un taux de mortalité supérieur à celui d'autres résidences seniors du même type à Munich depuis 2012. Très bien. J'ai fait un peu de lecture aussi. La notion d'ange de la mort est généralement employée pour décrire les personnes qui assistent activement quelqu'un qui veut mourir. La plupart du temps, elles administrent une surdose d'antalgique, de somnifère, de potassium, etc. Ouais, ouais. La mort par étouffement n'entre pas vraiment dans cette catégorie. C'est aussi ce que je pense. Voilà. Dans les récits de mythologie, les anges de la mort sont les gens qui accompagnent les mourants dans l'au-delà. Ils ne les tuent pas. Ce qui veut dire que ton utilisation du terme est fausse. Oh, je... Tu m'envoies vraiment désolé. Bonne soirée, Denis. Bonne soirée, Richard. Petra Gross a un alibi. Son mari a déclaré qu'elle dormait dans le lit conjugal. C'est une information qu'on aurait pu avoir avant, si vous aviez posé des questions plus délicates. J'ai reçu une plainte du directeur. Bah pourquoi? Pour ça, justement. Vous n'avez pas été très brillant. Ouais, mais elle a quand même fait l'objet... Non, Tom, on n'a rien pu prouver. Quelques proches de résidents ont porté plainte contre elle, c'est tout. Maintenant, imagine ce que ça peut leur faire aux soignants. De toute façon, on leur reproche quotidiennement tout et n'importe quoi, pour un salaire de misère. Oui, je sais. Bon, alors, c'est tout ce que la scientifique a trouvé dans la chambre de Madame Richter? Ouais, livres, vêtements, objets personnels, enfin, rien qui sorte de l'ordinaire. Un relevé de situation bancaire. Pourquoi aurait-elle froissé un document de ce genre? Parce qu'elle aimait pas ce qu'elle y a lu? Tout à fait. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose sur son compte. Oui. Il a été imprimé par un distributeur automatique avant-hier. Sauf que Radka Richter n'a pas pu aller au distributeur, avec ses problèmes de jambes. Oui, tu as raison. Si on a de la chance, peut-être que sur le distributeur, il y a une caméra? Très bien. J'aimerais bien examiner tous les documents comptables de Madame Richter. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va? Tu as une idée de ce que ça peut être? On dirait un embout de stylo à insuline. C'est donc pas totalement absurde de trouver ça dans la chambre d'une vieille dame malade? Non. Tu as eu des nouvelles de ton père? Quand j'appelle, ça passe directement sur messagerie. C'est rien. Il a sans doute oublié de recharger son téléphone portable. Peut-être. Tel que je le connais, il doit avoir un mal fou à comprendre comment ça fonctionne. À demain. Bonne soirée. Au revoir. Mais j'arrive pas à le joindre sur le fixe non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais éventuellement faire pour te soulager? Mmh.
Ça, c'était plutôt efficace pour un début. C'est également ce que j'allais vous demander. J'ai des Jonas à mettre au lit ces deux-là avant de rentrer chez moi. Ah, c'est toujours aussi animé, le coucher? Oui, et ça fait pas de mal de rigoler un peu, non? Gisela! Quoi? Ah oui. Je viens de voir la fille de Madame Richter entrer par la porte de derrière. Vous savez où elle pourrait être? Elle a pu monter dans la chambre de sa mère. Il reste encore pas mal de ses affaires. Oui. Ah ! D'où Jésus ? Qu'avez-vous tous à me faire des frayeurs ? Je suis désolée, Madame von Wangenheim. Vous n'auriez pas croisé Madame Richterova ? Non, je n'ai entendu personne. Mais ça ne veut rien dire. Les affaires de Madame Richter sont encore là. Sa fille n'y est sans doute pas très attachée. Oui, votre chef. J'ai quelque chose d'urgent à lui dire. Je vais lui transmettre. Il y a toute sa vie là-dedans. Mon dernier jour avec Ivanka. Ivanka ne vous a pas raconté son histoire? Pourtant, elle s'est bien étalée sur le sujet avec des journalistes. Avec des journalistes? Dans un journal tchèque. L'article avait fait de la peine à Radka. Enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans. La fille de Madame Richter? Vous l'avez retrouvée? Non, pas encore. Nous, si. Elle est montée dans un taxi. Regardez. Zania vient de me l'envoyer. Oui, les relevés, on les a. Votre collègue nous les a envoyés. Il nous faudrait les images de vidéosurveillance. Richard, tu peux venir? Oui, c'est indiqué sur la commission rogatoire délivrée par le bureau du procureur. Je sais pas encore ce qu'Ivanka Richterova est allée faire hier soir à la résidence, mais j'ai découvert quelque chose. Mon dernier jour avec Ivanka. Ta copine Isa, qui veut te parler de toute urgence, c'est elle qui m'a aidée à comprendre. À vue de nez, je dirais que cette photo date du milieu des années 80. Radka Richter était une dissidente. Elle a été arrêtée et envoyée vers l'Europe de l'Ouest. Mais sans son enfant. C'est ça. C'est pour ça qu'Ivanka vivait à Prague et sa mère à Munich. Apparemment, oui. Un journal tchèque a publié une interview d'Ivanka Richterova à l'occasion du 70e anniversaire de sa mère. C'était il y a 3 mois. Léni l'a traduite. Oui, j'ai utilisé une appli de traduction. Il y avait une marge d'erreur de 22%, alors je suis repassé sur le texte pour le corriger. Super. C'est important pour un enfant de grandir avec sa mère. Pour la mienne, le travail était plus important que son propre enfant. Elle m'a abandonné. C'est un point de vue très catégorique. Elle a emporté quelque chose, son sac à dos est plein. Pardon? Regarde. Là, il est vide. Et là, il est plein. Il a raison. Effectivement. Richard? T'es quand même fort. Merci. T'avais vu juste. La banque m'a envoyé le relevé de compte de Madame Richter pour l'année écoulée. Il y a 5 semaines, elle a fait un chèque de 70 000 euros. 70 000? À qui? À une fondation, aux petits soins des anciens. Léni, aux petits soins des anciens, tu peux faire une recherche? Attends, Madame Richter a fait un don de 70 000 euros à cette fondation en les prélevant sur l'héritage de sa fille, qui en aurait pourtant fait bon usage, j'en suis sûr. Jonas Meyer a dit que la mère et la fille s'étaient disputées pour une histoire d'argent. La vieille dame voulait revoir sa fille tant qu'elle avait encore toute sa tête. Oui, mais la fille voulait seulement toucher l'héritage. Elle est venue et a découvert qu'il ne restait pratiquement plus rien. Voici la vidéosurveillance de la banque. J'ai téléchargé les images du distributeur. Hey,
Madame Richterova? Vas-y, ouvre. Elle est partie. Tiens, on va demander à Lénie de nous traduire. Troisième relance. Ça vient d'une banque tchèque. T'arrives à le lire? Il y a des mots qui ressemblent à du russe. Le reste, c'est des chiffres. Une chose est sûre, cette femme est criblée de dettes. Les 70 000 leur est sortie de l'ornière. Regarde ça. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Commissaire Kupfer et ma collègue commissaire Lorenz. La porte était ouverte. Madame Richterova est partie quand? Vous l'avez loupée de peu, je viens de la voir dans l'escalier. Ah merde! Surtout ne jetez rien! Arrêtez-vous! Laissez-moi partir! Donnez-moi mon sac! C'est mon sac! Il va falloir repousser votre départ. Regarde-moi ça. Je voulais vous dire quelque chose d'important, mais... Voyez-vous, mon cher et tendre époux arrivait toujours à se rafraîchir la mémoire en faisant de la musique, mais je ne suis vraiment pas assez douée. Vous voulez que j'essaie? Vous jouez du piano, monsieur le commissaire? Un petit peu. Je vous en prie. Merci. Ça me revient. Ivanka n'est pas repartie tout de suite de la résidence le soir du meurtre. Elle s'est d'abord disputée avec M. Goetz, devant la cuisine. Vous vous souvenez de quoi il s'agissait? Non, mais ils avaient l'air très énervés. Ah, enfin. Oui. Oh, je t'entends très mal, il faut que je sorte. Excusez-moi. D'accord, mais vous ne voulez pas jouer encore du piano? Plus tard. Richard, tu m'entends? C'est mieux comme ça? Papa! Tu m'entends? Papa! Allô? C'est pas possible. Oui, Anna. D'accord, je pars tout de suite. T'as eu le temps de te pencher sur la fondation aux petits soins des anciens? Oui, elle a été fondée en 2018 et elle est de toute évidence... Le nom de Goethe, ça paraît quelque part? Oui, c'est lui qui a créé la fondation. Il y a une photo et un CV. Il a fait une formation dans le commerce et la banque et... Ça, c'est le relevé de situation du compte de votre mère. Il était dans sa chambre. Vous vouliez connaître le montant de l'héritage auquel vous pouviez prétendre, mais il ne restait pratiquement rien. Votre mère avait dilapidé 70 000 euros, au lieu de les mettre de côté pour vous. Mais vous aviez besoin d'argent pour rembourser vos dettes. Après tout ce qu'elle vous avait fait, elle vous laissait repartir les mains vides. Vous n'étiez encore qu'une enfant quand elle vous a confié à des cousins. Je disais à tout le monde qu'elle était morte. Vous ne lui avez jamais pardonné. Vous la détestiez. Surtout quand vous avez fini par comprendre qu'elle avait donné toute sa fortune à ce monsieur Goetz. Vous croyez que j'ai tué ma mère parce qu'elle m'avait privée d'héritage? Ce type l'a totalement embobiné.
Il a profité du fait qu'elle était de moins en moins lucide. Et il lui a présenté un chèque pré-rempli en lui demandant de le signer. D'une somme de 70 000 euros. C'est ce qu'il avait prévu. Mais je n'allais pas le laisser faire. Votre mère voulait dénoncer Goetz. Mais vous avez préféré vous occuper de tout ça à votre manière. Goetz n'a pas arrêté de tout nier en bloc. Mais quand la police a voulu faire une fouille, il m'a appelé et il a proposé de me donner l'argent. Et voilà pourquoi j'y suis allée hier soir. Il voulait que vous lui fichiez la paix. Je peux m'en aller. Combien de donateurs de la fondation de Goetz ont séjourné aux terrasses du lac? Tous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous décédés entre 5 et 8 semaines après leur don. Ils souffraient tous de démence? Tu veux dire que l'escroquerie de Goetz aurait commencé il y a longtemps? Il devait être plus prudent avant, ou alors il était plus chanceux. Mais Radka Richter n'avait pas perdu la mémoire. Sa fille est allée le voir le soir du meurtre pour faire pression sur lui. Il a fait disparaître Radka pour l'empêcher de témoigner, mais s'est dit que la mort d'une vieille dame n'éveillerait pas les soupçons. Et qu'Ivanka n'aurait plus rien contre lui. Sauf que là, c'est nous qui sommes arrivés. Et plutôt que prendre le risque qu'elle nous raconte tout, il a préféré lui donner l'argent. On y va. Vous me suivez, Madame von Vandenheim? Pourquoi vous me cherchez toujours des noises? Madame von Vandenheim? Vous êtes tombée? Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je crois qu'elle a fait une chute dans l'escalier. Dépêchez-vous, Madame Gross. Qu'est-ce que vous attendez pour appeler les secours? Je m'en occupe. Madame von Vandenheim, vous m'entendez? Vous m'entendez? Elle bouge pas. Oh, ne vous en faites pas, commissaire. Quelques radios et ça repartira. On ne se débarrasse pas comme ça des mauvaises herbes. Il ne s'est pas rendu compte que j'étais une dure à cuire à ce point. Vous parlez de Monsieur Goetz? Je l'ai surpris dans la chambre de Radka. Je crois qu'on devrait davantage s'occuper de vous. Oui, je compte sur vous pour me jouer du piano. Je le ferai avec grand plaisir. Ah, oh, doucement, doucement, jeune homme. T'aurais dû faire plus attention. C'était vraiment pas le bon moment. Carla, ma chérie, te voilà. Et tu t'es encore maquillée, hein? On dirait un clown, non? On aurait envie d'en rire si ce n'était pas aussi triste. Bon, on va te passer sous la douche, mon clown triste. Non. Mais si. Allez, on y va. Oui? Je vous dis que c'était un accident. Que faisiez-vous dans la chambre de Madame Richter, avec ses affaires? Je regardais s'il y avait encore des objets de valeur avant de tout jeter. On ne peut pas tout jeter comme ça. Je dois vérifier la chambre avant de lancer les rénovations. Vous vouliez vous assurer qu'il n'y avait rien qui puisse révéler vos affaires véreuses au grand jour? Quelles affaires véreuses? Qu'est-ce que vous racontez? Des donations à votre fondation dont Madame Richterova n'a pas le droit de parler. C'est pour ça que vous lui avez rendu l'argent très vite après nous avoir vu débarquer. Vous avez eu peur qu'on découvre que vous aviez reçu d'autres héritages.
Enfin, l'argent, il devait servir à l'entretien de la résidence. Mmh. Seulement, il est sur le compte de la fondation dont vous êtes le seul membre. En tout, 6 de vos pensionnaires ont viré des sommes de dizaines de milliers d'euros à la fondation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous morts au bout de quelques semaines. Eux aussi, vous les avez aidés? Comme Madame Richter qui voulait porter plainte contre vous? Non! Mais qu'est-ce que vous croyez? D'accord, ce que j'ai fait n'était pas très honnête. Mais il faut dire que les familles de nos résidents sont souvent aux abonnés absents. Et au mieux, ils viennent passer 10 minutes avec eux pour leur anniversaire. Mais dès qu'ils sentent l'héritage se rapprocher, ils sont comme des vautours. Et c'était le cas de cet Ivanka. C'est ce qui vous a autorisé à croire que vous aviez un droit sur leur héritage après leur mort, et donc pour le toucher, vous avez encouragé les résidents à vous faire des dons. Arrêtez de dire n'importe quoi! C'était pour la résidence. Et je n'ai euthanasié personne. Je vous le promets. Je n'ai pas tué Madame Richter. Excuse-moi, Richard. Je peux te parler un instant? C'est important. Qu'est-ce que tu fais là? Cette fois, c'est ton portable qui était éteint. Oh, désolé. Il y avait un truc qui me dérangeait. Tu te souviens de l'embout de stylo à insuline qui a été retrouvé dans la chambre de Madame Richter? Oui, bien sûr. J'ai trouvé sur son cadavre des traces d'injection sous-cutanée qui correspondaient bien à celles d'un stylo à insuline. Mmh. À l'autopsie, j'ai découvert que son taux de glycémie était très bas. Là aussi, tout à fait normal. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil à son dossier médical. Et je n'ai trouvé aucune mention de diabète. Alors, je suis allée faire un tour dans sa chambre. Quoi? Tu as fouillé dans ses affaires? Oui. Enfin, c'est pas vraiment ça, l'important. Je n'ai absolument rien trouvé. Tu comprends? Il n'y avait ni trace d'injection, ni stock de cartouches. Rien qui indique qu'elle puisse être diabétique. Elle n'avait aucun problème lié à l'insuline? Non. Tu veux savoir ce que je pense? Oui. C'était le stylo de l'assassin. Chez les non-diabétiques, l'injection d'une grande dose d'insuline est fatale. Et ce n'est pas vraiment repérable. Oui, mais Madame Richter a été étouffée. Peut-être que l'assassin n'avait pas assez injecté d'insuline. La dame était dans le coma, mais elle n'était pas morte. Tu veux dire que le coussin aurait servi à l'achever? Oui. Ça veut aussi dire que tout a commencé longtemps avant 4 heures. Peut-être vers minuit, tu vois? Ouais. C'est pas mal du tout. Ah, il faut quand même que je te dise... Oui, d'accord, j'ai compris, ça va. La prochaine fois, je te préviens si je fais un truc comme ça. Merci. T'es la meilleure. Oui, je suis au courant. Je ne m'injecte pas d'insuline. Et je n'en injecte à personne d'autre. Tous les traitements médicamenteux sont rigoureusement enregistrés dans l'ordinateur. Pour éviter les vols et les erreurs potentielles. Touchez à rien, s'il vous plaît. Madame Hellman, vous voulez bien vérifier le stock d'insuline, je vous prie? Oui. Comment ça fonctionne? L'insuline est délivrée et injectée sur prescription médicale. Toutes les doses sont enregistrées. Le chiffre dans l'ordinateur doit correspondre avec le nombre de doses dans l'armoire à pharmacie. Chaque ouverture d'armoire est enregistrée. Vous permettez? Merci. Seringue à usage unique et ampoule. Il n'y a que des ampoules de ce genre dans l'armoire, pas de cartouches? Les stylos à cartouches servent uniquement aux insulinodépendants qui se font leur injection eux-mêmes. Aucun de nos résidents ne fait ça. Et parmi le personnel, il y en a des diabétiques? Uniquement Jonas Mayer, pour autant que je sache. Où se trouve Monsieur Mayer? Il est allé chercher le café. T'en es sûr? Je l'ai vu il y a quelques minutes, il accompagnait Carla à son appartement. Anna, reste ici et surveille-le. Chut. Ça va aller. Tous les deux, on va s'amuser un peu. Mettre de l'animation dans cette chambre triste et puante. Hey, doucement, doucement. Merde. Arrêtez, Monsieur Mayer. Hey, hey, je fais un brin de toilette à Carla. Calmez-vous. Respirez.
Le téléphone dans les toilettes, ça sert à rien. Respirez. Ça va aller. Ça va aller. Oui. Ok, Lenny. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas encore toute l'histoire. On a le coupable. Lenny récupère les données de son portable. Elles sont sûrement stockées dans le cloud, donc c'est bon. J'ai l'intuition que non. J'ai vu qu'elle tremblait comme une folle et d'un coup, elle a commencé à trier des cachets. Bon, il faut qu'on attaque sur deux fronts. Vous accompagnez Jonas au poste de police. Moi, je vais m'occuper de Madame Hellman. Madame Hellman, j'ai quelques questions à vous poser. Je comprends pas ce que vous lui voulez à Jonas. Votre ami trouvait ça amusant de torturer une vieille dame sans défense. En l'empêchant de respirer. Ça a l'air horrible. Allons dans le bureau. Jusqu'ici, nous avons pensé que la mort de Madame Richter s'expliquait par un mobile tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Mais maintenant, je me demande s'il ne s'agit pas de quelque chose d'autre. De quelque chose de vraiment horrible. Une heure après avoir accompagné Isa von Wangenheim à son lit le soir du meurtre, vous êtes retourné voir Radka Richter dans sa chambre. Madame von Wangenheim dit qu'elle vous a entendu discuter. Ah oui, elle avait remis sa télé au volume. Non, non. Il ne s'agissait pas uniquement de la télé. Radka a crié. Vous lui avez injecté de l'insuline avec votre stylo. Vers 4 ou 5 heures du matin, vous êtes allé voir si ça avait marché, mais Madame Richter était encore en vie. Donc vous avez eu recours au coussin. Exactement. Ça, nous le savons déjà. La question qu'on se pose n'est pas de savoir si vous l'avez fait, mais pourquoi. Vous connaissez bien Jonas, non? Vous l'aimez bien. Dans votre déposition, vous avez dit que travailler avec Jonas, c'était sympa. Malgré tout le reste. Je comprends bien. Ça vous amène enfin un peu de distraction dans votre travail difficile. Les pensionnaires ne vous adorent pas spécialement, je crois. Alors que Jonas, si. Tout le monde l'aime. Y compris vous, non? Si je l'aime? Ce qu'il y a entre Jonas et moi est très différent. Laissez-moi deviner ce que c'est. C'est quelque chose comme une connexion spirituelle? Vous vous trompez, j'étais en train de dormir. Je me couche toujours quand c'est calme. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Alors? Les fadettes. 4h12, 4h16... Bah, voyons. Jonas a pas fermé l'œil de la nuit. Je préviens Richard. J'en étais persuadé. Ok, très bien. Alors on fait comme on a dit. Merci, Anna. Ciao. Zania. Je peux vous appeler Zania? Oui. Vous avez beaucoup discuté avec Jonas la nuit du meurtre. C'est pas vrai. Voilà ce que je pense. Grâce à votre connexion spirituelle, vous savez exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Il n'y a que deux possibilités. Soit vous avez poussé Jonas à commettre le meurtre, soit vous avez cherché à l'en empêcher, parce que vous trouviez ça détestable. Votre numéro est dans sa liste d'appels. Avec les dates et les heures précises des appels. Oui, vous avez raison. Quand Jonas est arrivé chez nous, il était super sympa. Il nous a apporté de la bonne humeur. Tout le monde l'aimait, pas que moi. Et puis il est devenu horrible.
Il a commencé à maltraiter les pensionnaires, ça le faisait rire. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça ne s'arrête pas c'est là. Quoi ? C'est-à-dire bordel ? Hé ! Hey ! Lâchez-moi ! Il est tombé amoureux de moi. C'est n'importe quoi ! Du coup, il s'est mis à tout enregistrer et à m'envoyer les vidéos. C'était pour me draguer. Ça a très bien marché. Ces vidéos, est-ce que je peux les voir ? Tenez. C'est joli, par ici. Hein ? Ça avait l'air d'être un jeu inoffensif. Je pensais pas que ce malade était un assassin. Reste tranquille, Albrecht. Bouge pas. C'est un très joli chapeau cloche. C'est génial, non ? Albrecht, t'es nul ! Remets-le sur la tête. Inoffensif. Albrecht. C'est inoffensif, ça, pour vous ? Cette salope, elle veut me faire porter le chapeau! Non, ils voulaient juste s'amuser un peu. Les vieux n'y voyaient rien de mal, au contraire. Ils adorent qu'on leur propose de faire des activités, n'importe lesquelles. C'est elle qui a tout manigancé! Ah oui? Je peux le prouver! Je vous donne nos conversations. Allez-y. Qu'est-ce qu'on a là? Celle-ci date de la nuit du meurtre. Salut, Zania! Salut! Les varices. Maintenant, on danse. C'est génial, non ? On dirait une marionnette. Elle est dans les vapes. Ça, là, ça n'a rien d'inoffensif. Cette tortue est détestable. C'est ce malade qui me l'a envoyé. J'y suis pour rien, moi. Je l'avais prévenu qu'il allait trop loin. On en a discuté, je lui ai dit d'arrêter. Vous vouliez l'empêcher de le faire ? Oui ! D'accord, montrez-moi votre échange. Je veux lire votre conversation. Elle est effacée. Vous croyez que je garde tous les trucs de malade qu'il m'envoie ? Je pensais pas qu'il irait jusqu'à tuer des gens pour rigoler. Anna, je vais raccrocher maintenant. Merci. Oh, j'ai la conversation. Jonas l'avait encore dans son portable. Vous permettez que je vous la lise. 4h12. Jonas, elle tremble, n'est pas encore morte. Zania, prends un de ses coussins. Prends un de ses coussins. Jonas. Et maintenant ? Couvre-lui le visage et hop. Vas-y, je veux la voir convulsée. On va vraiment aller jusqu'au bout ? C'est vraiment top. C'était Zania, le cerveau. Toutes ces choses qu'on a faites ces derniers mois. Je voulais pas les faire. Je vous assure. Embarquez-le. Connaissez-vous l'article 1 de notre loi fondamentale ? Non. Dans ce cas, je vais vous mettre sur la voie. Le premier article stipule que la dignité de l'être humain est intangible. Et ça vaut pour tous les êtres humains ! Y compris pour ceux qui sont sans défense. Mais pour vous, tout ça n'était qu'un jeu. Et vous deviez aller à chaque fois plus loin pour ressentir la montée d'adrénaline. À force, ça n'a plus suffi d'infliger de petites tortures aux seniors. Il vous en a fallu plus. Jonas est arrivé à point nommé. Vous l'avez réduit à l'état de pantin. Il est devenu votre pion. Puis votre instrument à tuer. La dignité de l'être humain, Madame Hellman, est intangible. Vous allez avoir un bon bout de temps pour y réfléchir. Espèce de sorcière! C'est terminé. Pas encore tout à fait.
Ivanka, ma chère enfant. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis morte. Je n'ai peut-être pas eu le temps de te dire à quel point tu m'as manqué toutes ces années. Mais je te souhaite du fond du cœur de poursuivre ta vie sans être rongée par le ressentiment. Avec tout mon amour, ta maman. Ton père est à Lanzarote avec sa nouvelle copine. Comment ? Il a été très touché que tu t'en fasses pour lui. À Lanzarote ? Je reviens pas.